تعتبر مهنة الطيران من المهن الرائعة التي يقبل عليها الناس بشكل كبير ويحلمون بالحصول عليها، فالكثير يحلم بالطيران في الأجواء، فقد كان هذا الأمر حلماً، فجاء أول تنفيذ فعلي لتحقيق تجربة الطيران. Pilotage d'un avion, il y a deux voire trois grands tableaux, d'accord? Donc il y a ce qu'on appelle les instruments qui sont dédiés au pilotage, d'accord? Donc vous aurez l'horizon, l'altitude ou l'altimètre pour savoir l'irtifa attaque. Il y a le variomètre pour savoir et bien sûr la vitesse. Pour ce qui est système de navigation, il y a ce petit instrument, l'Iatena El-Cap, l'ITIGEN. Et comme il y a une boussole. La partie contrôle moteur, donc je vous ai parlé système de navigation, maintenant il y a le contrôle moteur. Contrôle moteur, c'est qui met ça, Yara? Lazum ta'rabbi le moteur ta'kara wi khdem fi, hala jayida. Donc la pression, la température d'huile, d'accord? Et des systèmes qui sont actuellement mis en fonctionnement, tels que un GPS. Ce fameux GPS que maintenant tout le monde connaît, alhamdoulilah, qu'il y a dans les voitures, donc ça c'est un GPS. Et là aussi vous avez d'autres systèmes de navigation. Tout ce qui est là, c'est aussi le pupitre radio. Donc, mirfash ali comme لازم طيار لازم يتحدث مع لاتور لاتور تعطي اوامر هو يتبع الاوامر باسكو لافياسيون اون نو فا با او اون فو. توصف مهنة الطيران بالمعقدة، فهي تتطلب الحذر والصرامة، فقبل أن تكون مؤهلاً لقيادة الطائرة، مهما اختلفت أنواعها وإحجامها، وجب الالتزام بتكوين احترافي في عالم الطيران داخل قمرة القيادة، ولمدة زمنية معينة تتماشى والمواصفات الدولية. صغري نحب الطيران، دوك رانا نديرو في تيوريك وان شاء الله بربي يوفقنا ربي نبداو براتيكا. نقراو تيولوجي نافيغاسيون، نقراو دروا الكتريسيتي سيلولي سيستم لونسومبل تاع لافيون كومبليون. الوغ سبيسياليتي ميتورولوجي الي فوندامونتال بور تو فول. باغ اكزومبل ليلاف دوا دابور كونيتر لي كونديسيون ميتورولوجيك بور فولي. Donc on a tout un dossier météorologique tel que la carte TEMSI, la carte des vents, le METAR, le TAF et qui est en principe un élément de base et un élément de sécurité pour son vol. Donc c'est une garantie. Et parce que pourquoi parfois en vol on peut trouver du givrage, de la turbulence, du cisaillement de vent, ce qu'on appelle le QNH, donc pour l'atterrissage, le décollage des avions. Et c'est un outil très, très sûr pour tout vol. Donc avant tout vol, on doit préparer ce qu'on appelle un dossier météo avec tous les autres dossiers. Ce dossier météo doit comprendre la carte TEMSI, la carte des vents, le METAR et le TAF. التكوين في الطيران يختلف حسب وسيلة النقل، فهناك الطائرات وهناك الهليكوبتر، فالبعض منا يعتقد أن قيادة الطائرة نفسها قيادة الهليكوبتر، ولكن في حقيقة الأمر لا، فلوحة القيادة في قمرة الطائرة تختلف كثيرا لما تحتويه من أجهزة إضافية وتقنيات تليق بحجم الطائرة ووزنها. الهليكوبتر petit et gros tonnage. C'est comme l'automobile. Qu'un automobile vitesse bien zouj menes ou qu'un camion lihez le fokola. C'est la même chose pour l'hélicoptère. Sauf que hna le petit tonnage et le moyen tonnage dans les pays assez développés, mais dur pour aller par exemple sauver des gens à l'intérieur d'une ville, d'accord. Tandis que le humoula et kabira, le gros tonnage, il est conçu pour transporter des charges et les emmener à un endroit où le moyen de transport mais roche. Donc vous parlez, j'explique par exemple l'Europe. L'Europe, vous avez toute cette chaîne de montagnes qui est les Alpes, qui
le camion ne monte pas tout en haut. Donc pour pouvoir construire, pour pouvoir transporter, pour pouvoir alimenter les gens. Donc l'hélicoptère là est nécessaire. Là, comme vous voyez, c'est un simulateur qui fait les ab initio. C'est un simulateur qui fait plusieurs types d'avions. On a le bimoteur, monomoteur et un jet. Il se fait juste de changer les instruments et de modifier la configuration. Là, comme vous voyez, c'est un vol local. حوادث الطيران في العالم خلفها جملة من الأسباب ودوما تكون الأسباب داخل دائرة واحدة إما أعطاب أوتوماتيكية في الطائرة أو عند صيانتها أو قرارات بشرية خاطئة وتبقى تلك الحوادث تحصد الكثير من الأرواح البشرية عندنا les accidents qui peuvent arriver عندنا feu moteur. On a le train qui ne sort pas, on a des fusibles électriques qui sautent. Par exemple, on a les volets qui ne rentrent pas ou qui ne sortent pas. Il y a plusieurs pannes qui peuvent arriver à chaque instant. Et le plus grave, c'est au moment du décollage et l'atterrissage. من خلال معرفة الأسباب الحقيقية للحادث عن طريق شهود العيان أو الصندوق الأسود داخل الطائرة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تلك الحوادث مستقبلا boîte noire que nous appelons chez nous maintenant boîte noire c'est bon il y a d'origine elle est orange mais elle est orange non la boîte noire c'est un système qui permet d'enregistrer tous les paramètres la boîte noire on entend toujours parler de deux boîtes noires d'accord donc le FDR ce que nous appelons le flight data recorder qui permet d'enregistrer tous les paramètres et nous avons à côté ce fameux CVR ou la cockpit voice recorder qui lui il sigile tout ce qui entre comme audio et qui sort comme audio. Donc réellement, avec ces deux systèmes, ou avec ces deux boîtes, lorsqu'il y a un incident, il y aura toujours un moyen de récupérer ou de savoir ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'il y a un accident, l'accident est là. Mais maintenant, pour pouvoir tirer des enseignes, ou la bechtarf, ou la bechtsahah, ou la il faut savoir. Parce que l'accident, est toujours suivi d'une enquête pour déterminer les causes, pas pour nous accabler, mais pour pouvoir tirer des enseignements, pour ne pas se faire. D'accord ? Nous avons l'hélicoptère, ces boîtes noires, bon, vous avez la cellule d'un hélicoptère, nous avons les boîtes noires, ou l'FDR ou le CVR, ils jouent à l'arrière de la cellule. من المهم جدا لمهنة الطيار أن يجيد استخدام اللغة الإنجليزية بطلاقة وسلاسة وذلك لاستخدامها مع الركاب وإعطاء التعليمات الهامة عند الطيران أو الظروف الطارئة Là, pour le moment, on s'occupe des tests d'anglais, on évalue les candidats, les pilotes en anglais technique. Donc, on prépare un test. Le test, il est divisé en deux parties. On fait une partie listening et une partie speaking. La partie listening, elle se fait directement sur ordinateur. Les données sont envoyées instantanément à l'école anglaise, notre partenaire, à Bonnement. Et pour le speaking, ça se passe ici dans cette salle. Donc on a un examinateur, deux candidats, plus un autre examinateur au fond de la salle pour faire la partie observer, qui fait la notation. Donc le test, il est divisé en trois parties, le speaking. On a une première partie qui évalue le routine situations, les questions routinières des pilotes. Deuxième partie qui est une partie, ils doivent écouter un enregistrement un peu flou, exprès, pour voir est-ce que le candidat ose demander des clarifications, ose demander des détails sur les informations qui ne sont pas bien comprises. Et la troisième partie, on donne un scénario sur une situation non routinière, une emergency situation, une urgence, et à eux de gérer la situation. تبقى مهنة الطيار مختلفة عن باقي المهن التي يؤديها كثير من الناس نظراً لطبيعة عمل الطيار الشاقة والمخاطر اليومية التي يصادفها في الجو وعلى الأرض